Poufouf YouTube, poufouf Romain. Pouf pouf. Bienvenue, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Et c'est la suite de notre aventure sur Apex. On fait tout simplement le protocole Apex et donc les... c'est donc le solo tout simplement de Apex fait par Bohemia. Et là on galère un petit peu, on doit faire la descente du petit chemin. Et en fait on doit, pour vous expliquer, on doit examiner le sentier. Mais c'est pas aussi simple que ça quoi, il y a des mecs un petit peu partout. Ça c'est chaud, on est déjà mort plusieurs fois ici donc on va essayer de repasser. Ouais sinon c'est pas une mauvaise idée de passer à droite. Parce que c'est vrai que quand on passe à gauche, c'est de suite un peu plus compliqué. Bah là ça, au moins on est bien à couvert tu vois. Ouais je suis d'accord avec toi. Donc voilà je l'avais annoncé comme quoi je comptais faire le solo d'Arma 3, j'avais commencé par Altis, bon là on est sur Apex. Histoire de faire la nouveauté en premier. Et j'ai dans l'idée aussi de faire les petites missions scénario, vu que je sais maintenant comment on fait pour lancer les petits serveurs privés et tout ça. Du coup, on vous fera des petites missions. Il y a des missions qui se passent en 1944, il y a des missions qui se passent avec des zombies, il y a des missions qui se passent dans Star Wars. Donc voilà, on va vous faire des petits trucs. Vous verrez ça sur cette chaîne Comics. Ok, il y a des mecs, fais gaffe. Attends, je vais regarder où il me le détecte sur la carte parce que... Ok, il est sur la route le mec. C'est celui qui nous avait tué tout à l'heure. Ouais. À 110 mètres au-dessus là. Ouais, ouais. Tu le vois toi ou pas? Je l'ai pas en visu, mais je vois sur la carte, mais je l'ai pas en visu. Moi je suis un peu trop bas, je pense. Ah, j'entends un bruit de moteur là. Je pense qu'on a bien fait de partir ici, ça doit être la bonne solution là. Ouais. Vas-y, je te laisse y aller parce qu'on va pas y aller tous du même endroit. Je vais peut-être essayer de passer par le dessus. En gros, c'est moi qui vais mourir, quoi. Non, mais moi, je vais assaut au-dessus. C'est toi? Ouais, c'est moi. Ok, j'en ai eu un. Est-ce qu'il y en a d'autres sur la carte? Vas-y, t'as qu'à essayer d'avancer. C'est toi qui as tiré ou c'est eux? Non, je me suis fait tirer dessus. Ok, attends, je vais regarder où il est, je regarde où il est. Ok, je l'ai en visuel. Je l'ai en visuel, alors moi, je m'en occupe. Vas-y. Tiens, sale bâtard. J'ai lancé une greu. Est-ce que je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Mais pourquoi je meurs comme ça? Mais il est juste à côté du quad. Il est à côté du quad? Ouais. T'es allongé. Tu pourras respawn sur moi, non? Ouais. Enfin, non. Parce que t'es en train d'attaquer. Ah merde, t'es mouru, sinon je serais venu voir pour t'aider. Ouais, t'aurais pas trop pu, le mec il était juste en face de moi et je pense pas qu'il était seul, tu vois. Putain, la galère, il me reste une gros. Je grenade. Là, c'est toi qui as mis ça? Ouais. C'est toi qui es là? Ouais, ouais. Vas-y, faut aller le chercher par en haut sinon. Reste sur la route, vise la route. C'est bon, je l'ai eu. T'as pas lancé de greu au moins là? Si. Si? Si. Elle est où? Non, mais c'est bon, je crois qu'elle a pas pété. Je crois que c'était peut-être un. Ah, c'était une fumigène. Ouais, parce que. Oh punaise, t'as vu l'avion? Ouais. Ah, il était là ce vilain. On a réussi à le passer. Je pense que c'est clear ou pas? Attends, je prends les greux, mec, j'en lance tellement que. Bah non, c'est pas clear. On est justement là pour ça, Romain. Non, on est là pour visiter l'avion. Oh, magnifique l'avion comme ça. Contact. Ouais, j'ai entendu. Juste en face. Moi, je vois pas, t'as tout smoke, mec. Il est juste devant moi, il est juste devant moi. Il est mort. Ok. Ah, il est magnifique l'avion, là. On est où? C'est pour ça que je voulais faire le... la petite mission comme ça, enfin le solo.
Parce que justement, on va voir bah, tous les petits easter eggs qui ont été mis sur la carte par Bohemia. Oh nice, la petite Red Bull là. Ah ouais, carrément la queue de l'avion. Y'a quoi là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Y'a un sac à dos, je prends le sac à dos moi. Vas-y, moi j'en ai déjà un. Non, je peux pas les prendre. Examiner le sentier, c'est fait. Nice, on a réussi. Exfiltration maintenant. C'est où exfiltration? 300 okay. mètres, montez dans le UH-80 Ghost Hawk à la ZA et infiltrez-vous de la ZO. Bon, on prend un petit quad, on y va? Ah, vas-y. On monte avec toi ou on prend des quads différents? Non, vas-y, monte avec moi. Allez. Par contre, fais gaffe, hein, parce que ça peut passer ou pas passer. Hein. Ça peut partir en cacahuète en moins de 30 secondes. Quoi. Ouais, à mon avis, ça va partir en cacahuète. Ouais. T'as à vu le bordel avis, là? On va se prendre une roquette. Ou une grosse. Oh. Ah, mais mec, je vois rien du tout avec la caméra là. La caméra, elle fait des sous. Ouais, ouais, on est d'accord, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon. Je mets les gaz. Y'a du monde ou pas? Non, je vois personne. Ah, y'a pas d'hélico aussi? Il arrive, tu l'entends pas? On descend. Mets-toi en position. Ah ouais. Attends, il est où? Nice, il est au-dessus. Ouais. Mets-toi sur le côté parce qu'à mon avis, ça va pas se passer comme prévu. Je pense que ça va chier des bulles encore là. Je suis en position, genou à terre. Je suis prêt. T'es prêt aussi, Romain? Je suis prêt. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Ghost Hawk en visuel. C'est ça? Ouais, c'est ça, Ghost Hawk. Et là, il se pose et il explose, tu sais. Ok, go, 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 go. Bonjour, soldat. Ok, David Park à bord. Exfiltration, est-ce qu'ils vont fermer la porte? On peut fermer la porte ou pas, monsieur? J'ai froid, là. Ah, nice. Ah, c'est génial. Il est magnifique, hein. Il y a un missile qui a été tiré, t'as entendu? Ouais. Il est où? Je sais pas, mais j'ai un peu peur. C'est parti de la montagne. Là-bas. À droite, là. Non, c'est ta smoke à droite ou c'est le missile qui est tombé? Non, c'est le missile qui est tombé. Ok, ouais. En fait, ils ont clear la zone. Ouais, tu sais, c'est là où il y avait les lance-roquettes et tout. Et donc, ils ont dû détruire les armes en tirant un missile. Ok. Mission accomplie. Un accueil chaleureux. Le convoi... Un accueil chaleureux. Le convoi a été détruit, tout comme le matériel anti-aérien du syndicat. Ok. Nous devons découvrir comment le syndicat a pu se retrouver en possession d'armes du CSAT. Ou du XAT. Je sais pas trop comment ça se dit. Continuez. Ah, le feu aux poudres. Le syndicat s'en est pris à la population de Tanois sans aucune raison. Le groupe 15 lance une opération pour priver l'organisation de son commandement. Donc on va couper la tête du serpent. Alors, voyons voir. Ça va, c'est vite en fait. Hein. Ouais, ça va. Ça va, c'est vite. Le feu aux poudres, du coup, ça s'appelle. Le feu et aux poudres. Pas le feu aux fesses. Juste avant, c'était un accueil chaleureux qu'on a terminé. Et avant, c'était Keystone. Donc là, comme vous voyez, on est quasiment la moitié. C'est bon pour toi? Je sais pas, je suis sur la map de Noël. Tu dois valider. Ah c'est bon, j'approuve la mission. Je sais pas si t'avais dit oui ou pas en fait. Ah non, j'ai dit non, je t'ai dit que j'étais sur la carte. Du coup je lance solo là ou pas? Bah je crois, je sais pas. Attends, ah non c'est bon, ça me l'a fait lancer. Ça te l'a lancé aussi? Ok. Oui. T'as la barre rouge aussi en bas? Non, pas encore, là j'ai rien du tout, là j'ai un écran noir. Là c'est bon? Là j'ai marqué 72 heures et ouais, tout. Ouais, c'est bon, quoi. Parfait, j'ai la cinématique aussi. Donc là on est 48 heures avant l'extraction de Keystone. En fait on est remonté dans le temps. On est en 2035. Alors, c'est Altice ça non? Ah non. Ah non, je suis bête, on est sur Apex mais... T'as vu les mecs au Réunion, ils ont la tête maquillée? That cache was a curveball. Un train pour en cacher. Ah, j'adore quand ils font cette effet là. Advanced stuff, military grade. Yeah. Unexpected, but les voix sont propres en plus, hein. Ouais, vraiment. Weapons are not simple to get a hold of. They're valuable.
If we keep smashing all of Syndicate's toys, it'll provoke a response. You want to draw Warlock out into the open? Exactly. We've not been able to get a lock stat on him as of yet. Guy's a ghost. What's the play? We've got intel about a storage compound in the heart of Syndicate-controlled territory. Unusual spike in activity. Seems like a shipment of weapons, Windows 10, etc. is moving in. Syndicate planning something big? Maybe, maybe not. Could just be a distribution hub. That's why we need to hit them now, before they can move this kid out into the adjacent island. Wouldn't the NATO task force be better positioned to... No time for politics. As I said, this is time sensitive. On va pas faire du diplomatie. We'll finish the job. À mon avis, on n'a pas le time là. C'est bientôt Noël. Je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, on va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps avec eux. Sounds surgical. Yeah, the kind of operation that should force Warlock out into the open. Ah. Alors, voyons. Moi, je reprends toujours le même truc, hein. On va rester en assaut. Ça se passe plutôt bien en plus en assaut pour le moment. Et là, on est au sud vers Saint-Paul-La Rochelle. Pour ceux qui jouent sur Altis. Enfin, sur Athanois, excusez-moi. On a donc là le Montanois, le volcan. Et à mon avis, ça va être assez sympathique. Romain, t'es prêt ? Bah, je me prépare, je prends juste ça, voilà, c'est bon. Nice. Alors, voyons. Ok, sous la pluie et tout, là. Bien sympathique. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tâche. On doit rejoindre le complexe, aller dans le complexe du syndicat, tout en évitant le checkpoint ennemi. Ok. T'as vu aussi l'objectif ? Faut qu'on reste c'était caché. Ouais, j'ai vu. Ok, ça marche les mecs. Let's go, tu suis ? Je suis. Parfait, en avant. C'est un peu loin quand même quoi. Ouais, mais si on prend un véhicule, je pense que laisse tomber. On a plus de JVN hein. Oh là 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 non, là là là. C'est juste au début pour nous faciliter la tâche. Ouais, c'est parce qu'il faisait nuit, je pense. Ouais, mais ils se sont dit maintenant. Et là, tu mets un mode de dinosaure, tu le fais sortir de la forêt en face, c'est incroyable. Attends, parce que moi là, mon mec, il peut pas courir en fait. Ah, t'as vu, on a 5 ados ? Ouais. En fait, ça, j'ai une charge explosive, toi aussi ? Non, moi j'ai. Une trousse médicale. Ah, si, j'ai 4 charges explosives. Ok, ouais. À mon avis, on va faire du grabuge. Alors, voyons voir. 500 mètres. Ça va passer. Engagez pas, Rider 2, idem. Fais gaffe au truc sur la droite, tu sais. Ouais. Le petit camp qui disait là, on doit accéder à l'objectif sans se faire voir. C'est incroyable, j'ai vraiment l'impression d'être dans une partie calée là. Non ? Donc je peux te coller. Regarde à droite. Ah, fais gaffe, contact blindé. Allez bien, on reste là. Ils sont vraiment nuls par contre. C'est quoi l'intérêt de faire un barrage sur la route ? Tu sais, ils pensaient qu'on allait arriver avec un char qui fait de la musique et de la lumière, tu sais. Ouais. Il y a Rider qui est de l'autre. C'est quoi ? C'est Riker ? Ah non, c'est Riker. Riker. Ouais. Et moi, depuis tout à l'heure, je dis Rider. Mais parce qu'en fait, Riker, ça doit être un nom. Mais je sais que nous, on est Rider 1. Ouais, c'est ça. Et eux, c'est Rider 2. Et eux, c'est Rider 2, en fait. Et après, on doit avoir nos propres noms, mais ouais. Quand c'est la tour de contrôle qui part, bah... Ah, t'as entendu, il y en a quoi ? C'est un avion, ça ? Ah non. Ok, l'imagination. C'est beau. Ouais. Trois grosses livraisons. Par contre, on va être emmerdé dans les cailloux, là. Oh là là, le temps. J'avoue. Fais gaffe de pas glisser. Je crois que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'on va faire demi-tour. Ouais, on va devoir passer carrément au-dessus. Ouais. Ah ouais, on n'a pas le choix. Changement de plan, Romain. Changement de plan, sinon on va jamais rentrer en vie chez nous, là. Je sais pas si dans le jeu, il y a les impressions, quand... ça change quand il pleut ou pas. Je crois pas, au niveau des habits ou autre, non ? Non, je crois pas. Ouais, je sais pas, je t'avouerai...
Si tu sais pas non plus, bah YouTube, si vous savez, ça m'intéresse quand il pleut. Est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce que c'est juste un film devant l'écran pour faire genre regarde, t'es trempé? Je pense qu'il est vraiment bien fait sur Tanoa. C'est que il y a peut-être un film, mais au moins ils ont vraiment pris des sons, tu vois vraiment de forêt. Ouais, quoi. Ouais. Vraiment l'eau qui tape sur les brindilles. Parfait, Rider 2, partez en reco, fais gaffe. Ok, il y a des mecs sur les toits, t'as vu? On peut les abattre. Ouais, attends, je m'en occupe. Je vais me coucher. Vas-y. C'est bon. Je peux tirer sur les mecs d'en bas. Ah ouais, j'ai vu. Attends, je peux mettre sur mon bipied ou quoi? Dis quand j'ouvre le feu. T'as les mecs en bas là? Ouais. Au niveau de l'abri de bus? Ouais, c'est ça. Tu les as en visuel et tout là? Ouais. Attends, j'essaie de me rapprocher un peu. Je les abattre fast. Oh mec, tire pas! Regarde dans le camion, tous les mecs attendent! Sur la route! Sur la route où il y a les feux! Ouais, mais là-bas c'est trop loin. Moi je te parle de la zone où on doit aller. Il y a 3 mecs qui se baladent. Oh. Ah ouais, faut surtout pas qu'on se fasse spec en fait. Ça, en gros, tu vois les deux mecs là, faut qu'on leur mette. Genre, je prends celui de droite, tu prends celui de gauche. Tu parles au niveau du stop là? Non, tu vois là où notre objectif? Oui. Bah, juste en face, t'as une Jeep et t'as un petit abri. Ah, je les voyais pas eux, mec. T'as deux mecs. Et bah, genre, tu prends celui de, genre, je prends celui de droite. Ah, d'accord. De gauche, attends. Et on essaie de les abattre en même temps. Vas-y, je prends celui de droite. Il y a un autre mec qui fait une ronde par contre, donc faut faire gaffe. Il est où? Je sais pas, il est passé tout à l'heure. Vas-y, je prends celui de droite, ça marche. Tu prends celui de droite? Ouais. Ok, bah, je prends celui de côté de Jeep. T'es prêt? Ouais. T'es prêt? Vas-y. 3, 2. Attends. Annulation. 3, 2. 1, 0. Le gars qui fait sa ronde de l'autre côté, là, je l'ai vu passer. N'empêche, ça c'est ce qui fait. Ça c'est ce que je trouve stylé, quoi. Quand on arrive, on fait 3, 2, 1. Ouais. Ah! C'est toi qui est en bas? Okay. C'est moi qui suis en bas, ouais. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était le mec qui arrivait. Est-ce qu'on peut faire le tour du bâtiment? Nice, il y a une entrée, je pense, derrière. Ah non, y'a pas d'entrée. Y'a un bruit. Ouais. Ça repart. C'est le camion qui bouge. Fais pas de bruit. Il est en train de quitter les lieux. Tant mieux. T'es rentré dans le bâtiment? Non. Je suis rentré. Je ferme la porte, je suis rentré dans le bâtiment. Non, bah je rentre avec toi donc. Ok, on est là. Dépôt de matériel. Ferme la porte en rentrant. Alors, ouvrez le menu d'action, placez charge explosive, pointez le curseur ci-dessus, et on doit, vous pouvez maintenant paramétrer par tranche de 40 secondes. On doit le mettre sur combien de temps? Bah en règle sur 40 secondes. Vas-y, 40 secondes. Il faut qu'on se barre en 40 secondes, quoi. C'est bon. Mec, pour moi c'est bon. C'est bon pour toi? C'est bon aussi. Vas-y, on reprend le chemin qu'on a fait. Vas-y. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40 secondes, c'est large. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je pense qu'on est assez loin là. Attention, le gars il nous tire dessus. Oh, je l'ai eu. L'alarme a sonné. Barre-toi dans la montagne. Explosion! Oh punaise, le truc Armageddon, mec! Ça a pété. Ah, c'était ouf! Et c'est pas mal ces petites missions là. Attention, y'a un gars. Quoi? On a pas tout fait péter? Je sais pas. Non. Ah, rip. Ça veut dire, je crois qu'il faut qu'on y retourne en fait. Ouais, on va devoir redescendre comme si c'était pas assez dangereux, tu sais. Pour ça. Par contre, y'a un gars qui nous tire dessus, je sais pas où il est. Oh là, c'est Rider, putain, faut y retourner, fais chier. Non, mais pourquoi? Pourtant, on avait bien tout posé, non?
Ouais, le bâtiment il a pris cher, mais non, il reste des trucs. Ok, je suis avec toi. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien du tout. Placer charge. Je mets sur 40 secondes. 40 secondes, c'est posé, c'est bon pour toi? Poser aussi 40 secondes. Vas-y, go. On va pas remonter dans la forêt? Non, on va rester ici. C'était caché? Ah, là aussi! Ah, c'est pour ça, là-bas on l'avait déjà pété, je pense. Recharger, je pose. Pose pas, c'est moi qui pose. 40 secondes, c'est bon, on bouge. Oh! Merde! Et ils sont couchés, mec, tu peux les avoir! Ils sont là, couchés en dessous, couchés au-dessus, ils sont deux! Deux, tire! Tire à fond, ils sont deux, mec! 40! J'ai vu. 40 secondes! Ne viens pas, éloigne-toi, ça a pété! Non. T'as eu les deux. Mais ouais, mais j'aurais pas le temps. Voilà, forcément, si tu viens pas, ouais. Attends, on attend l'explosion. Reste couché. T'es sûr que tu l'avais réglé sur 40 secondes? C'est bon, je peux venir. Oh putain, mec! Laisse tomber, ça m'a soufflé. Attends, je vais essayer de respawn sur toi. Je peux respawn sur toi, reste en vie. Oh la vache, et il y a une de ces explosions. Mon corps il était là, il a été poussé sur... En fait t'aurais eu le temps de venir, hein. 17 secondes. Ouais. Mais il y a toujours l'autre entrepôt là qui veut compléter. C'est peut-être pour toi ça. Non, on doit localiser et détruire les trop... En fait il faut qu'on fouille dedans où sont les autres entrepôts, c'est ça que ça veut dire je pense. Ouais. Je respawn sur toi. 8, 9, 1, 1, 8. On doit les trouver en fait, ils sont les mecs. En face ! Non, t'es fou, ils sont pas morts, mec. Quoi ? Il y a un gars en face, il vient de me tirer dessus. Viens me réanimer, s'il te plaît. Et ma jambe qui dépassait. J'ai fait bonjour. Oh là là. Le mec, il est en face, quoi. Non ! Oh, mais mec ! Mais c'est quoi ta... Ouais, mais je voulais le faire vite fait, là. Vas-y, merci. Bah oui. Vas-y. Bah le mec il est en face quoi. Ouais, non mais c'est de ta faute aussi ça. Mais tue-le, il va me remettre une balle. Allez. Tue-le. Mais cours. Non mais c'est bon, je l'ai fait, arrête t'intéresser là. Oh là là. Il est pas très doué. Le mec. Allez vas-y, va mourir. Bon, on doit trouver les autres dépôts de matos. Ah, y'a du monde, hein. Ah, donc là, ça a bien été soufflé. Eh, les charges explosives, laisse tomber, hein. Ouais, c'est bizarre que ça nous mette ça. Non, moi, c'est fait par... C'est par Bohémia, quoi, normalement. Non mais je crois que t'as raison, faut en trouver d'autres, hein. Bon, j'ai remis 40 secondes au cas où. Parce que là, c'est bien détruit, en fait. Genre, faut juste retrouver les... Fais gaffe, ça va repéter, mec, éloigne-toi, hein. Ouais, mais là, je suis loin, je suis dans les trucs en bois, moi. Ça m'étonne que dans le bleu il n'y ait pas de trucs à faire péter. Ouais. Enfin, ils sont les points là. Ok. Putain, mec, j'ai la fumée dans la gueule, laisse tomber. Eh, je comprends pas, hein. Il doit avoir un truc à faire. Ah, c'est peut-être qu'on a fait exploser avant que ça nous dise vous avez trouvé l'entrepôt, non? Non? Non. Franchement, je pense pas, hein. What the fuck?
On s'est pris une roquette sur la gueule, non? Juste en haut. Juste au-dessus de la colline. Ah, on est d'accord, ça a pas tapé loin, je pense. Ouais. Ouais. Et peut-être dans cet entrepôt, non? T'as été dans l'entrepôt bleu? Ouais, bah oui. C'est là où t'es mort 15 fois. Ouais. Bah écoute. Ah ouais, c'est au-dessus où ça explose là. Je vois pas du tout où ça peut être. Moi non plus. Bah écoute, je pense qu'on va cesser là-dessus pour cet épisode. Ah, c'est bon! Ouais, ça arrive, c'est tout le bordel. Vas-y, on se planque. Bon, les gens, nous pour cet épisode, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. La suite arrive très bientôt. Je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes vacances. Romain également. Romain, bisous. Amuse-toi bien, Romain. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Playlist en description. C'était un super héros, Romain. Bisous, tchou tchou.